Je bénis le nom de l'Éternel. Je dis merci à Jésus-Christ. Shalom. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Daniel 2, le verset 47. Le roi adressa la parole à Daniel et dit: En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Et il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Le Seigneur a ouvert mes yeux et j'ai vu un vaste réseau, la base d'un vaste réseau de trafic humain au Cameroun. Et dans cette base, j'ai vu beaucoup de personnes qui travaillaient. J'ai vu beaucoup de personnes habillées en noir qui étaient comme un protocole. Et qui surveillait cette base. Ne laissez pas vos enfants aller à l'école seuls. Accompagnez vos enfants à l'école. Allez les chercher vous-même. Soyez très prudents. Parce que dans cette base, j'ai vu quelqu'un qu'on avait déjà arrêté et qui attendait juste d'être, décapité. Je ne sais pas si c'est pour des organes humains, je ne sais pas. Mais c'est ce que le Seigneur m'a montré. Donc soyez prudent. Vraiment soyez prudent, surtout avec vos enfants. N'acceptez pas qu'on vous amène quelque part sous prétexte que vous allez signer un contrat de travail. Voilà. Parce que ce sont les directives que le Seigneur m'a montrées. Les moyens que ces gens l'emploient, voilà, afin d'amener leur proie dans cette base de trafic humain. Donc soyez vraiment prudents, soyez prudents sur vous-même, soyez prudents. Voilà. Le Seigneur m'a montré en fait comment ces personnes travaillent. Ce sont des gens qui font dans le trafic humain et ils vont venir vous proposer comme du travail. Ils vont venir vous proposer comme du travail. Et une fois que vous allez accepter, ils vont vous proposer de venir signer le contrat chez eux. Et ils vont vous amener dans leur voiture. Et une fois dans la base, ils vont vous attacher et ils vont vous tuer. J'appelle ici à la prudence à tous les Camerounais. Soyez prudents. N'acceptez pas n'importe quel travail. N'acceptez pas n'importe qui venir vous amener quelque part ou soi-disant vous faire signer un contrat de travail. Soyez prudents sur vos enfants, pour vos enfants. Veillez sur vos enfants, surveillez vos enfants. Car le Seigneur m'a montré un vaste réseau de trafic humain au Cameroun. Ici, j'appelle à la prudence à tous les Camerounais. Soyez prudents. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Soyez bénis. Shalom.